Maman. Non. Je vous ai dit. Renteur Mafo. Je suis le gardien de la vie privée de mes ex. Même Oshiga ne savait pas que je t'ai offert une bague. Personne ne savait à part nous deux. Tu sors dans les réseaux sociaux pour dire que la bague elle est venue que par Colissimo. Ma chérie, moi au moins je t'ai offert la bague. Ça veut dire que j'assume l'amour que j'avais pour toi et Dieu seul sait comment j'étais aimé. Et je t'aime toujours, mais pas différemment maintenant. Tu sais que c'est évolutif comme ça peut baisser. Mon cœur, c'est comme la bourse. Quand tu as le bon comportement, ça pousse. Quand tu as le mauvais comportement, ça descend. Rien que je vais te dire quelque chose. Peut-être l'amour, tu ne connais pas vraiment ce que c'est. De tous les gars avec qui tu es sorti ici sur terre, je suis le seul. Tu as affronté ta vie différemment. Et je suis le seul sans me vanter. Je t'ai donné un statut que personne ne t'a donné dans les réseaux sociaux. Et tes mots défient. Et je mots défie tous les abeilles là. Montrez-moi un gars qui est resté, qui a soulevé ma foi comme ma mère, car il n'y a aucun. Maman, je suis ce qu'on appelle un faiseur de roi. Salut, Basse. Je suis ce qu'on appelle un faiseur de roi, un créateur de roi. Je suis le king, je suis le boss. Salut frangin. Oui, on a notre pote Bascagne quelque part. Voilà. Je suis un faiseur de roi. Chaque fille que je touche est brillée. J'ai tellement d'amour. J'ai tellement d'amour à donner. Que c'est une chance pour ces filles de sortir avec un gars. C'est-à-dire que je suis ce qu'on appelle le camère love. Le lion love. Le delta force de l'amour. Il est en face de vous. Donc quand on arrive, et que moi, je t'offre ma bague. Et que tu dis que tu as jeté la bague au bout de 2 jours. C'est une bague qui m'a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tu as jeté. Une autre fille avait besoin de cette bague-là que tu as jetée. Une autre fille avait besoin de cette bague-là que tu as jetée. Depuis que toi et moi, on n'est plus ensemble, ta côte a chuté. J'ai montré aux yeux du monde l'amour. Je vais te montrer les photos. Peut-être que tu as... Attends. Non, pas avec les preuves. Je vais encore montrer quelque chose. Parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est... Je trouve que c'est vraiment... C'est immature. Surtout venant de ta part. C'est très immature. Quand on t'offre une bague, tu cours à Mondovision. Pour dire qu'il m'a offert la bague là. J'ai jeté. Tu jettes la bague dans mes caméras. C'est des choses qu'il ne faut même pas dire. Il ne faut même pas prononcer des mots comme ça dans ta bouche. Un homme te rend heureux. Te met à un stade de l'amour. Maman. Renke, Fleur de Lille. Un gars qui a aimé comme moi, il t'a aimé. On a vu tes yeux, c'est-à-dire que pour la première fois dans les réseaux sociaux, on a vu Flo amoureuse. Et tu te lèves, tu cours dans les réseaux sociaux pour venir dire que, oh, ta bague là, j'ai jeté ça. Go, si tu t'amuses, je sors les voices. Ma chérie, depuis la temps, les voices, ne vois pas. Depuis, j'attends les voices. Je ne vois pas. C'est quoi? Ça dit que c'est quoi descendre aussi bas? Je dis et je répète à tous ceux qui veulent l'entendre et à tous les malentendants. Insultez Oshiga comme vous voulez, ça ne me pose aucun problème. Mais si j'entends un lieutenant de Flore prononcer le nom d'Oshiga, dans son travail, je bombarde ce flot. Je vous le dis, je vous le confirme ça. En bon entendeur. En bon entendeur. Je tape dans le porte-monnaie. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire là?
Je dis à tous les sous-lieutenants, à tous les mboudmans qui veulent montrer qu'ils aiment trop fort. Celui qui tente de parler de la carrière d'Oshila ou de critiquer le travail d'Oshila, à tous ces moucherons-là, votre dame va subir ce qu'elle n'a jamais subi dans les réseaux sociaux. J'ai les moyens pour annuler cette soirée-là. J'ai les moyens. Faites-moi confiance. Oui, faites-moi confiance. Donc, c'est ce qui a fait que tu sortes pour venir dire que regardez une femme. Regardez vous-même. Maman, le bonheur. Comment la fille était amoureuse de mère, quand même. Flo, je vais te dire quelque chose. La reine de la toile aujourd'hui, c'est Oshila. La plus téléchargée aujourd'hui dans les forums, c'est Oshila. Tout ce que je touche, ça brille. C'est mon don. C'est une malédiction qu'on m'a donné. Que tout ce que tu vas toucher va briller. Flo, avant toi, il y a une docteur. Elle a brillé de tout feu. Après toi, il y a Yoshiga. Elle est en train de briller de tout feu. C'est ce qui te fait mal. Ça te fait très mal. Mais je t'ai donné la chance d'être avec. Je t'ai donné la chance de sortir avec ce qu'on appelle un vrai mec. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. Parce que tu n'étais pas projeté. Tu n'as pas pu. Même tes moucherons qui m'ont tourné autour de toi t'ont dit que Flo, rien que, on n'a pas besoin de parler, mais le gars là, aujourd'hui tu bagarres. Tu bagarres pour revenir sur la CEO à mer quand même. Maman, je t'ai aimé d'un amour sincère, d'un amour propre, sans tabou. Et notre relation s'est évaporée comme elle est arrivée, sans problème. Malgré les attaques que tu attaquais au Shiga, je restais tranquille. Toi, aujourd'hui, tu viens de dire que la bague que je t'ai offerte, tu dis que tu as acheté au bout de 2 jours. Il fallait me renvoyer ma bague. Ça m'a coûté l'argent. Je pouvais aller vendre ça ou bien donner ça à une autre fille. Tu viens dans les réseaux sociaux pour dire que oh, j'ai jeté la bague de la mère quand même. Ma chérie, rien que pour ça, tu verras comment les gens vont te mépriser. Tu verras comment les gens vont te mépriser. Tu verras. Un lover comme Amel Kamel, 53 cm. Le Kamel love, le lover des réseaux sociaux, le gars le plus discuté des réseaux sociaux. Maman, les pleurs du Mbolé partout. Les toiles qui viennent les pleurs. Oh, oh Amel Kamel, reviens avec le 53 cm. Oh, de l'autre côté, de l'autre, je veux aussi pour moi. Oh. Et que toutes les blogueuses de la toile veulent me niasser. Toutes. Je ne connais pas une blogueuse qui ne veut pas dire qu'Amel Kamel ne t'en pas. Toutes. Je t'ai donné la chance d'être Miss Amel Kamel. Tu sors pour régner ma bague. Tu me dis que tu as jeté ma bague. Petite soeur. Un homme comme moi, sans me vanter, c'est ce qu'on appelle le mal alpha. Regardez toutes mes relations. Les filles sortent de l'ombre pour éclore. Peut-être tu pensais que, comme je t'ai beaucoup aimé, tu pensais que je suis un Boudman. Tu pensais que je suis un Boudman. Ma chérie, écoute bien ce que je vais te dire. En matière d'amour, je suis le meilleur professeur sur la toile. Le meilleur. Je t'ai donné la chance de côtoyer ce qu'on appelle un autre monde. Je t'ai donné la chance de voir enfin l'amour, de vivre sans la crainte. Parce que quand tu étais à mes côtés, tu marchais avec un Dieu vivant. Tu n'avais peur de rien, tu étais en sécurité. Et je t'ai élevé. Tellement élevé. Que tous tes abeilles sont restées comme ça. Ils ont dit que non. Choukré, tu es le king. Aujourd'hui, tu sors parce que je te vectorise. Tu sors pour influencer Kamel Kamel.
Tu sors pour influencer Amen, Amen. Maman, dans les réseaux sociaux du Cameroun, c'est ce qu'on appelle le kraken. Tu vois un peu? Regarde, quand je cherche dans les réseaux, je suis un bouffeur d'énergie. Je fatigue l'adversaire spirituellement. Physiquement, tant que je pénètre, je fatigue l'adversaire. C'est pour ça que tu me remercies aujourd'hui. Tu prends les conversations, mais verser les conversations privées de moi-même, je vais dire pardon. Verser les conversations privées de moi-même, je vais dire maman. Ouais, merci pour les. Envoyez les étoiles, regarde-moi. Envoyez-moi les vraies étoiles. Vous envoyez quoi? Les 20 euros, 20 étoiles. Ou de l'autre côté sur TikTok, on tapote sur TikTok, on tapote. Oh, mon, mais regardez, TikTok sont déjà là. Oh, mais regardez, TikTok, on tapote. Il faut vous dépasser. Sur Facebook, on est à 1100. Sur TikTok, on est encore 200. Non, les gars, donc, on soulève sur TikTok. Non, ça va vous servir de leçon. Ça va servir de leçon. Est-ce que c'est blogueuse de base? Merci pour les étoiles. Bombardez les étoiles. Il y a un chagrin d'amour. On a jeté ma bague. Ma bague. 5 tonnes de ciment. 10 camions de sable. 5 hectares de plantes. On a jeté. Pardon, tapoter. Et je souffre, je sais, c'est un chagrin d'amour, c'est le cœur qui. Cinq tonnes de ciment. Oh bon. Oui, 10 camions de sable. Oh, sable Sanaga. Non, pas ciment, Cam. Non, Dangoute. Flo, je t'ai élevé. Je veux que tous tes gars avec qui tu es sorti de toute ta vie, personne n'aura le charisme d'Amérique, mais je te mets au défi. Je te mets au défi. Et je me vante au roi. Aucun de tes gars avec qui tu as sorti aujourd'hui avant n'aura jamais le charisme d'Amérique. N'aura jamais l'élévation que je t'ai donnée, le respect que je t'ai donné, la tendresse que je t'ai donnée, l'amour que je t'ai donné. Aucun. Je ne discute pas ça. Je sais ce que j'ai fait pour que tu sois une femme heureuse. Je sais ce que j'ai fait pour que tu sois une femme vivante, éclatante. Je sais ce que j'ai fait. J'étais attentionné à tes côtés. J'étais attentionné. Oui. Ce qu'aucun de tes gars ne t'a accordé. Je t'ai donné l'attention, le respect, l'amour. Ce que personne ne t'a donné. On t'a vu. On a vu la véritable flore éclore. Grâce à qui? Au puissant Amen, Amen. Maman, j'ai les clés de l'amour de tous les gars de TikTok. De Facebook. Quand il met ma clé sur ton corps, va tourner comme ça, tu deviens heureuse. On wanda que quoi? Maman, on compte les gars qui sont passés par là. Regardez docteur avant et pendant Amen, Amen et après. Regardez Reine Cœur même. Avant Amen, Amen, pendant Amen, Amen et après. Je suis ce qu'on appelle un créateur. Je suis un faiseur de queen. Je suis ce qu'on appelle un faiseur de reine. Je vends l'amour, la joie, l'état d'esprit. Parce que je te vectorise sur Oshiga. Tu sors pour dire que tu vas balancer nos voix. Oh, maman, si vous entendez les voix, ce que je disais, oh, ma reine cœur, j'espère que tu vas bien dormir. Parce que franchement, je vais veiller sur toi. J'avais les mots cocastiques. Maman, mets les voix dehors, pardon. Bombo, mets les voix dehors, maman. J'ai envie que les gars sachent. J'ai envie que les gars sachent ce qu'on appelle le romantisme. Oui, ma reine cœur, tu sais que je t'aime toujours. Je vais toujours t'aimer. Le temps d'amour que tu. J'avais les mots miel. Quand il arrive, oh, Seigneur. Ma chérie, tu as regardé si je te prends ton nom, tu vas mettre les voix ça dehors. Mets ça dehors. Je ne mettrai jamais la vie privée de mes ex dehors. C'est-à-dire que c'est la particularité d'Amérique, Amen. C'est un tombeau vivant. À cause de toi, aussi, elle se moque de moi depuis qu'elle a entendu que tu as offert une barque. La barque, là, tu as jeté la barque. Depuis qu'elle a entendu, elle balait seulement le foie. Elle dit, peut-être que ça a tombé de son côté. Regarde alors, regardez comment vous êtes alors. On t'élève, on t'offre les bagues, les fleurs. Je vais te poser une question. Flore, qui t'a déjà offert une rose, une bague? Qui t'a déjà aimé? Personne. J'ai enlevé, mais je te pose la question. Flore, qui t'a déjà aimé? Personne. Personne. Le seul gars
qui t'a donné cet amour-là, où on t'a vu pour la première fois dans les réseaux sociaux. On a vu Flo amoureuse. C'est grâce à qui? Le King, le Camel Love, le Delta Love, la force de frappe. Même Natacha de Monaco est restée comme ça, elle dit, mais, Seigneur, tu connais Aimé. Même Natacha de Monaco est restée comme ça, elle a dit que non. On voit l'amour dans les yeux de Flore. Aujourd'hui, tu sors. Hein? Hier, j'étais la bague que tu m'as offert, maman. Moi, on m'a offert la bague. Et je ne regrette pas. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Parce que je suis le genre de gars, quand il passe sur une femme, l'histoire retiendra que ce garçon t'a vraiment aimé. Je suis le genre de gars que les gars jouent. Je suis le genre de gars que les gars regrettent toujours. Parce que là où j'ai mis Flore, aucune personne, et je dis, dans les réseaux sociaux, je vous mets vous tous au défi. Donnez-moi le nom d'une seule personne. D'une seule personne qui a fait de Flore ce qu'Amère Kamé a fait. Une seule personne, vous avez une minute. Donnez-moi les noms. Pendant ce temps, je cherche. Pendant ce temps. Attendez. Donnez-moi le nom d'une personne. Hein. Je suis là, j'attends. Sur TikTok, donnez-moi le nom d'une personne qui est sorti avec Flore. Oh, Kimberly. Merci, merci, merci. Donnez-moi le nom d'une seule personne, j'attends. Donnez. Quand vous aimez entendre que vous, Amère Kamé, donnez-moi le nom d'une personne avec qui Flore est sorti. Qu'a élevé Flore, donnez-moi une seule personne. Merci, Kim. Donnez-moi le nom d'une personne. J'attends, hein. Vous allez voir, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous parlez de quoi? Vous savez vivre? Vous savez vivre? Tu prends la bague, tu dis que oh, Amère Kamé, la bague qui était jetée, la bague qui était donnée là. La bague que, c'est-à-dire que tu oses dire aux gens que la bague que tu m'as donnée là, que était donnée, tu as jeté ma bague. 5 tonnes de ciment. 10 canons de sable Sanaga. 4 hectares de plantain. Tu prends, tu jettes. Et tu dis aux gens que tu as versé les vols. Tu me menaces. Mais la différence entre nous deux, Flore, c'est que je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai aimé comme un homme aime une femme. Je t'ai protégé comme un homme doit protéger une femme. Je t'ai donné de l'attention comme si tu étais mon enfant. De l'amour. Et on t'a vu, il a dit qu'on est resté comme ça. On a vu une femme heureuse. Depuis que tu traînes dans les réseaux sociaux depuis 15 ans, dis-moi qui t'a fait ça. Il ne parle pas des petits dragueurs qui viennent dans l'obscurité rentrer le matin. J'étais mis aux yeux de tout le monde. De tout le monde. Montre-moi un de tes gars qui a fait ça. Aujourd'hui, tu vis sous l'ombre de notre passé. Parce qu'il n'y a personne qui veut prendre le risque qu'Amère a pris. Parce que Flore, je t'ai lavé. Je t'ai mis devant aux yeux du monde, propre comme tout. Il dit propre comme tout. Tu viens aujourd'hui parce que tu es vectorisé de calmer tes mouches. De ne pas attaquer au chiga. Tu dis que tu vas sortir les voice. Go, la bague. Go, ne me prononce plus. Là, tu as montré vraiment à quel point tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Tu ne sais pas. Tu vois, quand tu étais avec moi, tu ne pouvais même pas imaginer que tu allais encore faire la chirurgie sur toi. Parce que le regard amoureux que je posais sur toi, mes yeux, quand je te regardais, mes yeux étaient la chirurgie esthétique. Et quand je te regardais comme ça, tu sentais que, mais pourquoi je me perds le temps pour faire la chirurgie? Regarde les yeux d'Amère Kamé sur moi. Les yeux d'Amère Kamé t'ont empêché de faire la chirurgie. Parce que c'était ton chirurgien. Que mes yeux, le regard, quand je te regardais, quand on m'a, Seigneur, Wombo, voilà la conséquence. Maintenant, tu n'es plus avec moi. Tu allais faire la chirurgie. Parce que quand tu regardes autour de toi, on regarde seulement, on se juge à ton physique. La seule personne qui n'a rien à voir avec ton physique, c'était, c'est-à-dire que je t'ai pris avec ton fond intérieur. Je l'ai mis en fond extérieur. Je l'ai soulevé, je l'ai posé sur la toile camoufleur. Tout le monde a confirmé que non,
qu'on ne mente pas. Le gars là, il rêvait la fille là. On va nous parler de quoi? Aujourd'hui, tu sors. Attendez, vous faire voir. Quand je pense à tout l'amour que nous avons vécu tous les deux, quand je pense à tout ça là, et tu arrives dans les réseaux sociaux pour dire que je vais sortir nos voix. Bon, Seigneur, Flo, pas toi. Laisse quelqu'un d'autre faire dire les mots comme ça, mais pas toi. Parce que un homme ou une femme, nous sommes les gardiens de la vie de nos ex, respectivement. Respectivement. C'est incroyable. C'est incroyable. On voit des... C'est-à-dire que vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour. Flo, tu n'as jamais été autant aimé par la toile quand j'étais avec toi. Il dit que tu n'as jamais été autant aimé par la toile quand j'avais les yeux d'amour sur toi. Je suis le seul gars à t'offrir une bague qui vaut 5 tonnes de ciment. 10 sacs de sable, 4 hectares de plantain. Il n'y a pas deux. Je suis le seul. Tu sors pour me faire les menaces. Je ne manque pas. Ouais, attendez. Tapoter, on veut 10 cas de tapotage. On ne peut pas être 300 sur TikTok. On n'a pas encore 10 cas de tapotage. On veut 10 cas de tapotage. Moi, je ne manque pas. Je dis la vérité. Tout le monde sait comment j'ai aimé cette fille. Vous-même. Vous-même. Regardez. Les preuves. Regardez vous-même. Regardez vous-même l'amour. C'est-à-dire que tu sentais vraiment qu'elle était là. La petite était là. Elle était dans le yamo. Elle était pas le yamo, c'est quoi? Flo, regarde. Regarde cette vidéo bien. Regarde. Tu n'as jamais, on ne t'a jamais vu autant heureuse. Renseigne-toi. Pour ceux de TikTok. Tout le monde, pour ceux de TikTok. On ne t'a jamais vu autant heureuse, Flo. Regarde comment tu es jolie. Regarde comment tu es heureuse. Regarde le regard. C'est la seule fois où tout le monde est resté comme ça. On a dit, maman, tu es dedans. Voilà. Je reviens de ce côté pour ceux qui sont ici. C'est la seule fois. Regardez le visage. Regardez un peu le visage. On sent l'amour. Regardez comment les yeux. Wombo, les yeux doux. Wombo, le pongo. Regardez vous-même. Ma chérie, est-ce qu'un gars t'a déjà aimé? Regardez vous-même, même dans la danse. Regardez vous-même les moments. Wombo, le pongo, regardez vous-même. Regardez. C'est-à-dire que tu as été la plus heureuse. C'est sur TikTok, c'est sur mon TikTok. Allez fouiller sur mon TikTok, vous allez voir tout ça là-bas. Tu n'as jamais été autant. C'est-à-dire que quand on regarde, on dit que non. Et c'est pour ça que tu viens piétiner. Maman. Avec tout l'amour, envoie-moi les cœurs, envoie les cadeaux sur TikTok. Ça, il y a un chagrin d'amour, il y a le cœur qui chauffe. Flo, est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'amour? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'amour? Quand tu aimes un homme ou une femme, tu deviens prisonnier de son passé. Ça veut dire que quel que soit le problème que vous avez, tu as les clés du passé qu'il faut fermer. Tout le monde pouvait dire qu'on va te faire le chantage sur Flo. Mais je ne pouvais pas imaginer que toi, Flo, tu allais dire que je vais poster nos vidéos, les vidéos que tu m'envoies. Je ne savais que toi, tu pouvais dire ça. Je ne savais pas. Quelle est l'image de la femme love que j'ai présentée aux yeux du monde? Quelle est l'image? C'est-à-dire que le vaccin de l'amour que j'étais donné, c'est passé où, ma soeur? C'est passé où? Je t'ai donné l'amour. Maman, je t'ai donné tellement d'amour que tout le monde t'a vu le bonheur. Même tes ennemis sont restés comme ça là. Ils ont dit que on n'aime pas Flo, mais le tout aussi. Regardez comment elle est amoureuse. Vous-même regardez. Eh, Amérique, mais tu as donné quoi à l'enfance jusqu'à. Tu vois? Après, vous allez encore dire ici dehors que les garçons ne vous aiment pas. Après, vous allez dire ici dehors que, oh, les hommes ne vous aiment pas. Oh, on ne peut pas aimer les femmes de TikTok. Les femmes ne peuvent. Ce que je t'ai donné, tout le monde a vu. Et je ne regrette pas.
Parce que je me suis donné dans cette relation à 100%. Comme toi aussi, tu t'es donné le pourcentage que tu voulais. Non, il faut que... Non, je ne sais pas. Comme... C'est-à-dire que je me suis donné dans cette relation à 100%. Comme toi aussi, tu t'es donné le pourcentage que tu voulais. Entre nous. Entre nous. Et aujourd'hui, ça me fait mal de voir que toi, ma reine cœur, la flore, tu t'élèves, ouais, bah, envoyez beaucoup d'étoiles. Oh, envoyez beaucoup d'étoiles, mon cœur saigne. Envoyez beaucoup d'étoiles. Tu as fait une grosse erreur. Tu as fait une très grosse erreur. Parce que, amère, camère, renseigne-toi, et tu le sais. Aucune de mes ex ne connaît l'histoire de l'autre. Aucune. Règle numéro une. Dans mes relations, ne me parle jamais de mon ex. La règle-là, elle est tort. Merci pour les... Maman, merci pour les 20 étoiles. Maman, comment vous venez de vous toucher que le RS? Moi, je vais les 20 étoiles. Maman, quelqu'un peut pas s'élever, m'envoie 1000 étoiles. Le cœur saigne, le cœur saigne. Le cœur saigne, envoie-moi-même, c'est pas moi. Énervez-vous-même. Tout finira énervé, vous m'envoyez même 1000 étoiles, 2000 étoiles, 3000, envoyez même 10 000 étoiles, même, non, c'est comment, le cœur saigne. Les gars, vous, si tu préparez vos matchs, on va aller matcher tout à l'heure, préparez vos matchs sur TikTok, on va aller faire les matchs tout à l'heure. On a déclenché le groupe d'étoiles, 4 minutes, 2 secondes. Envoyez, on demande, je ne sais pas combien d'étoiles on demande dans le groupe d'étoiles. Les gars, mettez les étoiles, on demande combien d'étoiles, on demande combien d'étoiles, attendez d'abord, on demande combien d'étoiles. On demande combien d'étoiles, on demande combien d'étoiles, on demande combien d'étoiles. Mettez d'abord les étoiles. Ouais, quelle est, ça finit, il reste 4 minutes. Bon, de ce côté, on tapote la famille. De fois qu'on envoie les étoiles, envoie aussi des cœurs, envoie des chapeaux, envoie des cœurs, envoie aussi des cœurs de ce côté. Voilà, voilà, on envoie. Voilà. Il reste 3 minutes, maman, je vois pas les étoiles. Débloquez le groupe d'étoiles. Quelqu'un peut m'envoyer 5 cas d'étoiles. Maman, c'est comment avez-vous? Et qui? Ouais, 700, ouais, 700 étoiles. Bon, les gars, il faut 700 étoiles pour... Il faut 700 étoiles pour... Il reste 3 minutes pour 700 étoiles. Donc, quelqu'un s'énerve. Il met 700 là-bas comme ça. Il reste déjà combien? Je ne sais pas comment on a fait ces matchs. Ouais, attends, je te bloque alors. Val, attends, je te bloque comme ça au moins. Au moins, je suis sûr d'une chose. Voilà, banni Val. Ok. Merci. Au revoir, Val. Bon, il reste 2 minutes, il reste 2 minutes 30. Il nous faut 700 étoiles. De l'autre côté, sur TikTok, on tapote. Mais si on a déjà 10 cas de tapotage, on continue à tapoter. On va reprendre les commentaires après le passage du groupe d'étoiles. On reste dans le groupe d'étoiles. On tapote. Sur TikTok, on tapote. Donc, il nous faut 1 cas d'étoiles. Donc, quelqu'un peut mettre... Hey Gigi, Guilain Chapio, ma Chapio, Gigi, ouais, maman, ouais, Gigi, hey. Attends, est-ce que c'est la vraie Guilain Chapio? Est-ce que c'est la princesse Bamoun? Tout manquement de respect envers la princesse Bamoun est bloqué automatiquement. Il ne justifie même pas ça avec quelqu'un. C'est-à-dire que toute personne, toute tentative, Wombo, 500 étoiles, oh, merci Dora, on applaudit. T'as aimé le volume pour les applaudissements, non? Voilà, on applaudit à 500 étoiles. Il reste 200 étoiles.
Bloquez-moi Naomi Tamak. Naomi Tamak, ta maman, imbécile, idiote, sapac, salope, vieille gars. Tu as insulté de l'aide sur mon mur, le gros cul de ta main. Attends, il te bloque même d'abord directement, imbécile. Tu viens bloquer Guylaine sur mon mur. Tu sais ce que Guylaine a fait pour moi. Même les membres de ma famille n'ont pas fait ça. Idiote que tu sois. Comme un sorcier comme ça là. Tu as insulté Guylaine sur mon mur. Imbécile. Parce que tu as le nom d'un bassard. Idiote que tu sois. Tu as le courage d'insulter n'importe quoi. On continue. Non, il manque 5 secondes. Ok, le groupe de toile a été activé. Il manque 2 secondes. Les gars, attends. L'opportunité de créer un groupe de toile est terminée. Merci, merci pour ceux qui ont envoyé les étoiles. Merci pour ceux qui ont envoyé les étoiles. Bon, on continue. Après, vous allez dire que vous êtes des exemples. Quand Flore, avec qui j'ai eu une relation, vient dans les réseaux sociaux dire que je vais te renvoyer ta bague. Flore, je n'interviens pas très souvent dans les histoires de femmes. Quand je t'ai dit, insulte au Shiga. Critique son physique, sa façon de faire. Fais tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais à partir du moment où toi, Flore, tu critiques son travail, tu méprises son travail, je vais marcher sur toi comme le train. C'est à cause de cette phrase que tu as dit que je vais aller déterrer tout ce qu'il y a eu entre moi et Amel quand même. Maman, déterre. Déterre. Ça me fait quoi? Je t'ai aimé devant tout le monde. Maintenant, la toile, c'est que Amel Kama envoie une bague à... Merci, Natacha. Amel Kama va envoyer une bague à... Tout le monde est au courant maintenant. Ça veut dire que tout le monde voit vraiment que Amel Kama était à fond sur cette femme. Amel Kama était à fond sur cette femme. Amel Kama aimait cette femme. Et cette femme aimait Amel Kama, mais ne voulait pas montrer aux gens que j'aime Amel Kama. Flore, tu avais plus à gagner que moi dans cette relation. Là où je t'ai mis, c'est ton apogée dans les réseaux sociaux. J'ai fait de toi la reine des réseaux sociaux africains. Moi, j'étais engagé à 100% dans cette relation-là. Toi, ton pourcentage d'engagement, au moins, ne connaît pas. Mais ce qui est sûr, je sais que tu m'aimais. Parce que tu m'as démontré que non, Amel Kama, je t'aime. Ouais, le gosse, le gosse, le gosse. Applaudissez le gosse. Dans cette relation, tu m'as prouvé que non, Amel Kama, je t'aime aussi. Mais là où tu n'as pas voulu évoluer, c'est là où tu as tout raté. C'est là où tu as tout raté. Parce que quand je regarde, merci gosse, quand je regarde tout ce qui tourne autour de toi aujourd'hui, je rigole. Je rigole. Hier, Oshika te demandait de faire sa pub. Tu ne voulais pas. Tu ne voulais même pas entendre parler. Mais aujourd'hui, c'est toi qui parles d'Oshika. Tu vois comment c'est passé? C'est-à-dire que tu étais là, Oshiga était là. Mais avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est toi qui parles d'Oshiga. Qui aurait pu imaginer que toi, Flore, tu allais m'avoir le temps d'aller parler d'Oshiga? Personne ne pouvait imaginer ça. Personne! C'est bizarre, hein? Et tu viens dans TikTok lancer un semblant de cash à M. Amel Kama. Un gars que tu as aimé de tout ton cœur.
Amel, Kamel, tu sais que Flore a toujours dit que jamais. Quitte à m'en. Guylaine. Flore m'a aimé comme une malade. Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Flore m'a yamo le feu sort. Je t'ai dit. Est-ce que je mens? Vous avez vu les yeux de Flore? Les yeux d'amour ne mentent pas. Mais je suis déçu aujourd'hui parce que la chance que j'ai donnée à Flore, c'est la même chance que j'ai donnée à Oshida. Oshida a saisi sa chance. Elle a dit que bête, je meurs que sur ça. Mais Flore faisait un genre, un genre. Mais elle ne savait pas qu'elle faisait un genre, un genre. Le un genre là, que Flore faisait là, maman, c'est le pouvoir qu'elle perdait. Sur la toile camerounaise, je suis ce qu'on appelle le kraken, le gosse. Il n'y a pas monteur sur la toile camerounaise. Je suis l'alpha et l'oméga de la toile. J'ai la même mise sur Facebook. Je contrôle TikTok. Sur Insta, alors c'est le hélélé. Je suis la menace en personne. Merci Antonia. Donc quand je prends mon amour et je décharge ça sur Flore, je l'envoie une barre. 5 tonnes de ciment. Qui a la valeur de 5 tonnes de ciment. Je l'envoie une bague qui a la valeur de 10 camions de sable Sanaga. Je l'envoie une bague qui a la valeur de 4 hectares de plantain. Elle dit qu'elle a porté ça 2 jours et l'a jeté. Oh bon, le fond de commerce, oh, ouais, l'amour. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'une femme que tu as aimée sort dans les réseaux sociaux menacer votre vie privée. Allô? Hé, hey, la chapuie, la princesse Bamoun, c'est comment? Amen. Je suis Amben. Au nom de Dieu, c'est pas mon pouvoir ne s'arrête pas seulement au Cameroun. Arrête-moi ce que tu es en train de faire là. Non, maman, laisse. J'ai dit qu'Amben. Mon pouvoir s'étale jusqu'à Mbeng. Tu es arrivé quand? Je dis que, merde, Amen Kamer. Oui. Tu veux t'amuser avec Flore? Ça, maman, c'est un pas Mbeng. Hey, ça, c'est un pas Mbeng. Hey, elle est en Mbeng, vrai. Ça, c'est un pas Mbeng. Je dis que, là où tu es là, si j'entends allez, encore. Il faut que tu t'appelles, pardon. C'est sa maison aujourd'hui. Si j'entends encore, Amen Kamer. Seul, toi-même tu connais, tu sais que Flore t'a beaucoup respecté à travers moi et tout et tout. Flore est notre ami. Écoute-moi très bien, frère. Amen. Flore est notre ami. Tu comprends? Je ne dis pas le contraire. Non. Écoute-moi d'abord. Tu vas parler après. C'est impossible. Toi-même tu sais que personne ne peut t'insulter auprès de moi. Tu sais ça, non? Tu sais que même Monsieur Chapuis, ça l'a dépassé, non? Donc là où tu es là, je n'admets pas que les gens qui disent qu'ils t'aiment, que tu acceptes qu'on insulte Flore à côté de toi. Le mariage est fini, mais l'amitié ne finit pas. Je suis très sérieuse. C'est parce que je suis un peu malade. Tu comprends? Si j'entends encore Amer, je te jure, même en vain, je peux te faire rapatrier dans ton pays. Est-ce que tu comprends? Tu sais que je ne me suis jamais mêlé de ta nouvelle relation. Parce que je te respecte en tant qu'ami, tu comprends? Moi, c'est vrai depuis le début. Donc, avec que tu es contre ma relation? Non, je ne me suis jamais mêlé. Ah, okay. Mais je te dis, Amen, Kamer. Tu sais ce que c'est? Tu connais l'importance de l'amitié, non? Tu connais notre amitié, non? Je connais notre amitié, non? Tu n'as pas. Je vais te poser une question. Tu n'as pas le droit qu'on insulte Flore. Non, attends. Guylaine, je suis très déçu. Tu sais ça? Tu n'as pas le droit qu'on insulte Flore devant toi et tu ne dis rien. Non, personne ne l'a insulté bon. Jusqu'à présent. Tu me connais. Voilà. Non, je te dis seulement. Et ça, c'est la première des choses. Tu vois que j'ai le cœur meurtri. Les gens ne savent pas que ton cœur dort chez Flore. Tu n'as jamais. C'était avant. Continue à pleurer tranquillement. Moi, je sais que si Flore fait ses manques, tu vas pas. Je ne peux plus venir. Ah, moi, je ne peux plus venir.
Et le peuple Likez et regardez-là, partagez. c'est fini. Likez et partagez. Envoyez les étoiles. Je vais demander. Moi, je ne savais pas que tu arrives en Belgique. Je t'appelle après le hein? live. Je vais demander à mamie de t'envoyer les. Je ne sais pas comment on envoie les étoiles. Donc, je vais. Maman, c'est très simple. Tu cliques là, il y a étoile en bas, tout seulement. Ok, je vais demander. Okay. Je vais demander à mamie de t'envoyer les étoiles. Ok, bah, non, de mamie, elle m'envoie même 10 000 étoiles. 10 000 étoiles, ça te fait combien en francs, en euros? Non, c'est pas grand chose. Envoie seulement. Oh non, le plafond des étoiles, c'est combien? Il n'y a pas de plafond là-bas. Ok, d'accord. Okay, appelle-moi alors. Marche. Tu as compris ce que j'ai non, dit. Non, t'appelles tout okay. de suite même. Et ça marche. À tout à l'heure. Je suis. Écoute. Je suis à Courbevoie. Tu viens me voir là-bas. Oui, je suis à Courbevoie. Baston. Oui. Je suis à Courbevoie. Okay, pas de souci. On va même se voir ce soir. Comme tu vas se voir ce soir. Après le live, je prends Uber, je viens. D'accord. À tout à l'heure. Ok. On continue. Ma bague que j'ai offert à Flo, on me dit qu'elle a jeté la bague en bas, tu dis. 5 tonnes de ciment d'engouté. 5 tonnes de ciment. On a pris 5 tonnes de ciment, on l'a jeté. Massa. 5 tonnes de ciment. 10, c'est-à-dire que 10 camions de sable Sanaga. 10 camions de sable Sanaga. 4 hectares de plantain. On me demande de l'essayer. Ce n'est pas une question. Non. Nous sommes à une question de moralisation. C'est-à-dire que nous, on parle de moralité. Comment une relation personnelle privée atterrit dans les réseaux sociaux sous forme de menace? Tu dénigres mon cadeau? Tu dénigres ma bague? Hey. Est-ce que tu sais le nombre de sacrifices que j'ai souffert pour te donner la bague là? Est-ce que tu connais le nombre? Comment le soleil m'a tapé seulement parce que le travail, l'argent que tu t'envoies la bague là? Tu connais le nombre de souffrances, maman? La souffrance de quelqu'un a pu l'agiter en bas du lit. Avec tout l'amour que j'ai mis dans la bague là. Hey! Mais ça, c'est là où je vous dis souvent. C'est là où je vous dis souvent ceci. Deux fois le silence est d'or. Deux fois le silence est d'or. Pourquoi le silence est d'or? La jalousie que tu as envers Ushida, il fallait laisser ça. Mais quand ton cœur battait fort, je t'ai donné la chance d'être avec moi, tu as refusé devant tout le monde. Je t'ai donné la chance d'être avec moi, tu as refusé. J'ai accepté. J'ai tourné mon dos. Aussi, tu as dit que pardon, viens seulement dormir. Au moins ainsi tu es roi. Donc vous pensez que là où Amère coupe ton direct, vous êtes malade. Vous n'êtes pas sur la page de flore de l'île du ciel. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Vous trouvez normal que vous offrez une bague de fiançailles, on jette la bague au bout de 2 jours, on vient vous raconter ça 2 ans plus tard. Amère coule, vous êtes un noyau. Elle te bloque même, dis donc. C'est même qui ça? Attends, reviens ici. Elle te bloque même. Sorcière. Vous savez ce que c'est? Le temps qu'on prend pour offrir un cadeau à quelqu'un, l'amour qu'on met dans le cadeau, la souffrance de l'argent qu'on pose dans le cadeau, là. Vous savez ce que c'est? Mais c'est incroyable ça. Il faut vous calmer. Vous m'avez aidé pour cotiser pour acheter le cadeau là. Attends, tous ceux qui se porte-flore dans mon live sont bloqués. Tous ceux qui insultent Flore sont bloqués. Vous avez le droit et l'obligation de rester calme. Vous pensez que quoi? Non, rien du tout. Non, vous pensez que quoi? Que tu vas offrir une bague à une fille, jette la bague là.
Et moi, l'amour que j'ai mis dans la barre, le temps que j'ai pris, la souffrance du travail qu'il y avait derrière, on prend, on jette en bas du lit. On te jette 5 tonnes de ciment. On dit, c'est rien, non, j'ai fait comment, c'est rien, non, on jette comme ça là. Si vous n'avez pas de personnalité, si vous n'avez pas de charisme en vous, c'est votre problème. Moi, mes caméras, je ne blague pas sur le plus petit détail. Sur le plus petit détail, je ne blague pas. Vous parlez de quoi? C'est ce qu'on appelle le manque de respect. Vous parlez même de quoi? Faut faire attention. Hein? Ouais, mec, à mec, tu aimes toujours Flo. Je n'aime plus Flo, j'aime Moshida. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Son tour est passé. Il dit, son tour est passé. Tous les gars qui vont passer là seront l'ombre d'Amerikamé. Son tour est passé. Oshiga a pris le trône. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Son tour est passé. On parle de quoi? Je prends ça, je parle en temps. Elle dit, il y a ce qu'on appelle le respect. Il y a ce qu'on appelle le respect. Tu offres une bague à une fille. Quand vous pouvez même renvoyer ça, je revendais ma bague tranquillement. Elle me renvoyait même ça, je revendais même ça. Ou bien je sais pas, je revendais ça, mais je donnais ça à quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Non. C'est parce qu'elle était très touchée. Elle était touchée où? Elle était très touchée où? Son problème avec Oshiga, moi, quoi, dedans, au point de sortir, j'ai dit ceci et je répète encore. En ce qui concerne le travail d'Oshiga, Flo pose sa bouche dedans, on entre dans son business. C'est clair là-bas. D'abord, je ne discute pas. Mais en ce qui concerne les affaires des femmes, qu'elle règle ça entre elles là-bas. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Depuis que je parle là aujourd'hui, je n'ai pas dit que oh, Oshiga a fait ceci à Flo, ou bien Flo avec. Non, non, non. Je suis sur mon problème de barre qu'on a jeté. Sur le manque de respect de l'amour que j'avais pour elle. Un manque de respect sur cet amour-là. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Faut pas blaguer. Il faut même pas qu'on blague avec ça. Quand vous respectez, vous les femmes, apprenez à vous respecter. Après, vous allez dire que oh, les hommes sont là. Non, voilà. Et il n'a pas pris la bague là au tchat. Eh, pardon. Attends, il te bloque même d'abord. Mouf. Moi, il paye la bague là au tchat. Tu es fou. Comme un sorcier comme ça. Qui a payé la bague là au tchat? Moi, je peux payer la bague là au tchat. Comme un sorcier comme ça. Comment vous êtes même ici là? Depuis quand on paye sur l'histoire d'avoir le tchat? Petit sorcier. On prend 5 tonnes de ciment. 5 tonnes de ciment dans la route. On jette en bas de lui. Et on trouve que non, tu ne dois pas t'énerver. Pourquoi il ne va pas m'énerver? Pourquoi il ne va pas m'énerver? Vous prenez les gens pour les qui? Vous prenez les gens pour les qui? Ça m'énerve même plus que tout. Une bague que j'ai pris le temps de choisir. Avec mon roi, amen. Faites attention, hein. Oh, notre papounet. Moi, ok. L'amour que j'ai aujourd'hui, c'est pour Oshiga à 1000%. Vous allez m'a souffrir de voir ça. Vous allez sauf que souffrir de voir ça. C'est encore le début. Je vous ai dit quelque chose. La nature a horreur de la la nature a horreur de stagner. Stagner. Quand ça stagne, ça meurt. À l'heure-ci, Oshiga ne vient seulement de démarrer la voiture. C'est-à-dire que la vitesse, tout ce moment. J'ai une femme qui est artiste. Elle chante. Elle est blogueuse. Elle se bat. Je suis un roi. Vous pensez que je vais laisser l'amour là, d'aller prendre l'amour de Flore? L'amour, c'est seulement la nuit. En plein jour, c'est les autres. Ou au moins,
se cacher, cacher. C'est-à-dire que je vais le laisser où je suis caché, caché, derrière, derrière. Je laisse homme me mettre en haut. Maman, vous trouvez ça normal? Le créateur, c'est moi. Le maestro, c'est moi. Le king, c'est moi. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, qui attaque qui? Ce n'est pas les mouches de flore qui attaquent Oshiga. Qui pouvait imaginer ça un jour? Quand Oshiga parlait de flore, c'était non, c'était même pas un développement. Mais aujourd'hui, ça a tellement changé que c'est maintenant flore qui parle de Oshiga pour avoir les jeux. Pensez que quoi? Je vous ai dit, je suis la toile camerounaise, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'infini. Je suis la toile camerounaise. Je suis le créateur des reines. Maintenant, c'est la scarabée. C'est-à-dire que l'époque des abeilles, c'est fini. À l'heure, c'est la scarabée qui règne sur la toile camerounaise. Je vous invite à vous abonner massivement sur la page des scarabées. C'est là-bas où ça se passe. On donne le ton et les autres suivent. On donne le ton et les autres suivent. C'est ça qu'on appelle la puissance. Venez dire que là, j'étais ma bague. Venez dire qu'elle a jeté ma bague. Maman, tel créateur, sur Facebook là, on est 1300. Sur TikTok, vous êtes 300. Sur YouTube, 126. En plus, je n'ai pas annoncé cela. J'ai annoncé ça à 15h. Je fais ça à 20h. C'est ce qu'on appelle la puissance. C'est ce qu'on appelle la puissance. Je vous demande, abonnez-vous massivement sur la... C'est-à-dire que tapez seulement la reine des scarabées. Quand vous voyez la photo, vous vous abonnez automatiquement. Maman, c'est l'Empire qui contrôle maintenant. C'est-à-dire aussi dans maintenant, c'est l'AS. Oui. C'est-à-dire que c'est Mali, Burkina, Niger. À l'heure, c'est là, c'est l'AS. C'est-à-dire que ils se mélangent déjà pour combattre. C'est à l'heure, c'est que tous les scarabées, je vous dis, ça veut dire que tous les scarabées doivent devenir violents dans les réseaux sociaux. Et que qu'on entend seulement qu'on attaque, vous tombez sur la personne, vous déchiquetez la personne, vous mangez la personne. À l'heure, si les abeilles sont bolées, c'est la scarabée qui a pris le contrôle. Oui, la TK, ça a une observation. Les autres n'existent plus. C'est comme ça maintenant. Donc, abonnez-vous massivement. Massivement. À l'heure, si ça ne chauffe pas. Et les scarabées n'ont pas peur. Vous avez vu, non? Vous avez vu votre jeune, non? On a à côté de la mer, quand même. On a le pouvoir absolu. Tous les gars qui marchent à côté de la mer, quand même, n'ont peur de rien. Parce que le gars là-bas, c'est un crack et la menace fantôme. Ouais, un peu le genre. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui s'affronte à mer, quand même, qui s'en. Allez demander à Mout. Il est où aujourd'hui? On cherche à Mout aujourd'hui sur la toile, on ne le voit pas. Allez demander à Messan. Son ventre traîne par terre là-bas. Avec tous ses produits, les gens sans que verse que dedans. Allez leur demander. Ils sont où? Cherchez-les. Messan est où? On cherche Messan, on ne voit pas. On cherche le ventre par terre, les fesses par terre. C'est fini. Le créateur des rois est là. Le faiseur des reines est là. Aujourd'hui, c'est la scarabée qui prend la toile. Qui aurait pu imaginer? Qui aurait pu imaginer? Personne. Ne les a pas vu arriver. Non. Quand la main arrive, c'est la puissance. C'est la puissance. L'élévation. Maintenant, vous êtes là. Vous êtes condamné. Appelle le chocolat les imbos. J'ai dit ceci aujourd'hui. Je trouve un lieutenant des abeilles. On m'envoie seulement une coupure où un lieutenant des abeilles parle mal de Shiga. Votre reine va prendre cher. Et je ne blague pas. Ni Norniki. Mouranembe. Le respect sur les réseaux sociaux maintenant, c'est une obligation. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, on ne se parle pas, c'est mieux. Je vous dis encore,
Je croise le commentaire d'une abeille dans le litige d'Oshiga. On va se gâter tous. Écoutez bien. Je croise le commentaire d'une abeille dans le litige d'Oshiga. Commentaire au nom de Flore. Elle est confirmée sur la toile. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Je ne suis pas Satan. Là où on apprend la méchanceté, Satan là-bas, il en stache. L'enfer, on a créé ça. C'est-à-dire qu'on a créé ça avec mon ADN. On a créé ça avec mon ADN. Je ne suis pas Satan, mon petit. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Vous allez apprendre à être respectueux. Je ne gère pas les subalternes qu'on envoie, je ne les gère pas. Ils ont besoin de visibilité, je ne les gère pas. Je m'attaque à la tête. Je m'attaque à la tête. Tout manquement de respect dans le travail d'Oshiga, vous allez le ressentir automatiquement. Vous allez le ressentir automatiquement. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous les tapoteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Le respect sera obligatoire. On ne vient pas dans vos litiges, ne venez pas dans les litiges des autres. On ne vient pas dans vos lives, ne venez pas dans nos lives. On ne gère pas votre rancœur, ne venez pas dans nos affaires. Ne venez pas dans nos affaires. Il faut que ça soit clair. Et comme ça, le respect va s'imposer. Le respect va s'imposer. Je pense que j'ai été très clair avec vous. Les histoires de femmes, je n'entre pas dedans. Mais tu t'attaques au travail d'Oshiga. Vous me trouvez en face. Et on va se faire du sale. Je suis ce qu'on appelle un bouffeur d'énergie. Je mange vos énergies les uns après les autres. J'ai le temps pour ça. Je suis le gardien du temps. Patrice, ça vous a dit ça. Vous pensez que c'est une blague. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Donc les abeilles qui sont sur mon mur là, dégagez. Je dis dégagez. Je n'ai pas besoin de vous. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Je dois préparer ma candidature à la présidence du Cameroun. Je dois préparer ma candidature. Si on n'a pas le courage d'être président, je dois poser ma candidature. C'est de ça qu'il s'agit. Soit on prend le pouvoir, soit on garde le pays. C'est clair comme l'eau de roche. Et ça ne souffre de rien. Je vais arrêter le live sur Facebook. Tous ceux qui sont sur Facebook, vous venez sur TikTok. Sur TikTok, la page, c'est Amer Kamer 237. Amer Kamer 237. Actuellement, nous sommes sur... Voilà, actuellement, nous sommes sur TikTok. La page est là, Amer Kamer 237. Voilà. Donc, vous déconnectez sur Facebook et après, on continue. Merci la famille. Abonnez-vous massivement. À l'heure, c'est la scarabée qui contrôle la toile. C'est très simple comme bonjour. À plus la famille.